Et on espère que pendant ces 3 jours, vous vivrez des moments forts. Vous parlez d'agitation, c'est vous parlez de développer le pouvoir d'agitation, permettre à chacun de développer son propre pouvoir d'agitation. Mais je suis vraiment heureux d'être ici. Enfin, c'est vraiment bien de sentir qu'il y a autant d'engouement pour les jeunes. On se fait des amis, on découvre de nouvelles personnes. Mais c'est vraiment le côté humain de l'événement, rencontrer des jeunes qui sont comme nous, voire plus handicapés, différemment aussi. Donc c'est hyper enrichissant. On attend d'avoir un petit effet agitateur, comme on dit, hein. Que les gens puissent se motiver. Pour si jamais il y a des projets, si jamais il y a des idées, qu'ils puissent les réaliser dans leurs délégations respectives. C'est un très bel événement, c'est cool que ce soit en plus à Amiens, je suis contente. Vous pouvez évoluer à PFR, des choses qui ont évolué, il y a encore beaucoup de choses à faire. La France pour essayer de faire avancer les choses en matière de handicap, en matière d'emploi, d'accessibilité, de social, tout ce que le monde valide accède facilement et ce qui est compliqué quand on est en situation de handicap. Moi, ce que j'attendais le week-end, en fait, c'était de rencontrer de nouvelles personnes repartir avec des idées plein la tête et des souvenirs plein la tête aussi. De faire des rencontres, d'échanger sur les idées qu'il peut avoir, voir ce qui se fait dans la ville, ce qui se fait un peu dans toutes les délégations autour de la France, de revenir avec des idées pour améliorer de notre côté et notre délégation, avoir des grands souvenirs aussi. Mais j'ai découvert énormément de monde et avec plein de projets dans la tête. Que ce soit pour la PF ou pour moi personnellement et professionnellement aussi. C'est un enrichissement mais incroyable. Et merci, qu'est-ce que vous avez fait? Et nous, ça nous fait plaisir d'être. Qu'on a fait des rencontres comme ça. Sous la lumière, tout ce qu'il y a de plus naturel. Les jeunes qu'on laisse à nos enfants, on aimerait qu'ils soient vivants. On a tous l'âge évidemment. On a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est vivant. On a tous l'âge évidemment. On a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est vivant. Grâce à l'agitation, on a su se rassembler, mais j'espère qu'on aille encore plus loin. Que les jeunes comprennent que nous avons besoin d'eux, que c'est eux qui doivent construire leur avenir. L'association a besoin de nous, les jeunes. Remercier tous nos partenaires. Agiter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois il faut secouer un peu les choses. Peut-être le faire même parfois un peu fortement, un peu très vivement, mais il faut le faire. Parce qu'il y en a qui secouent moins, il y en a qui agitent moins, et donc on a besoin d'agitateurs. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez un véritable aiguillon pour faire avancer notre association. Il est fondamental que vous, les jeunes, vous ayez une place privilégiée parce que vous êtes le moteur de notre présent et vous êtes l'espoir de notre avenir. C'est génial. Ensemble. Dire c'est super. Motivé.
Bah, agitons le système.